Y sé ese que vos me lo condas, porque cuando todo le leo, el mío todo le lee, y sé ya no es. Biso ni vende ven kimi ono coca y olivo la no es, que en cohen como es. Voilà. Voilà, ça montre que vous êtes avec la servante de Dieu, Maman Micheline Chaban. Je vous dis shalom partout où vous vous trouvez dans le monde entier et vous allez découvrir une autre face de Maman Micheline Chaban. Parce que ça m'a tiqué, ça m'a poussé de faire cette émission spéciale, La foi et la science. Et là, je suis passée. Je suis moi, Maman Micheline Chaban, pasteur. Chante de l'Éternel, votre maman, et je suis avec un homme de science, un homme que vous allez découvrir. Vous avez peut-être entendu parler. Le Congo, c'est un grand pays qui cache de grandes richesses. C'est vraiment un fils du pays, mais qui est dans l'autre ciel. Là, je suis précisément à Boston. À Boston, c'est lui-même qui sait où nous sommes et il va bien prononcer les mots. Et je vais recevoir pour vous le professeur Jean Mongu Bélé. Hein? C'est celui que nous appelons communément Yajan, notre grand frère. Et bonsoir, professeur. Bonsoir, Maman Chabani. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir à notre tranche. Nous avons trouvé que cela a été vraiment très important pour découvrir ce que moi j'ai découvert. Je me suis dit non, je ne vais pas garder ça pour moi-même. Je quitte la peau des chantres et là, je suis sur le podium international et podium mondial. Et comment vous pouvez vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas et comment on vous appelle et là nous sommes où et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis congolais, je vis ici à Boston, je travaille au MIT où j'enseigne et puis je suis marié, ma femme s'appelle Léa Bélé, elle est d'origine haïtienne mais c'est une amoureuse du Congo, alors c'est pourquoi aujourd'hui maman Micheline Chabani est à Boston. Et puis, elle a demandé de discuter un peu avec moi, parce qu'elle est connue pour la foi. Et puis, bon, moi, je me débrouille dans la science. Alors, on va discuter un peu de la foi et de la science. Donc, c'est pourquoi on est ici. La foi est une assurance. La foi, c'est une résolution. Et la foi, c'est une grande porte de miracle. Nous voulons parler, bien aimé, avec le professeur, si foi et science. Professeur, ça m'a un peu troublé des choses que j'ai entendues. Et nous voulons faire savoir au monde, ceux-là qui ne croient pas en Dieu, vous êtes professeur, laissez-moi, il y a des moments, je peux vous tutoyer. Je peux dire, je peux vous. Moi pareillement. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous pouvons avoir à l'idée et parler? Et si ce terme, ce sujet qui nous est à cœur, foi et science, qu'est-ce que vous attendez par la foi et la science? Bon, je pense que la foi et la science, il n'y a pas de différence parce que les gens essaient toujours de créer la confusion en disant que les scientifiques n'ont pas la foi et ils ne croient pas en Dieu. Ouais. Ce n'est pas le cas. Ici où nous sommes, il y a des grands scientifiques ici à Boston. Beaucoup sont des croyants, ils croient en Dieu. Et leur travail est guidé d'ailleurs par la foi. Parce que il y a les relations, si on va parler aujourd'hui, entre ce qui se passe dans la science et puis ce qui existe dans la foi. Alors les scientifiques ne sont pas les athées, ce sont des gens et qui partagent les deux mondes, c'est-à-dire le monde de la science, des découvertes, et le monde de la foi. Je voulais ajouter seulement un peu, quand on parle de la science, on parle de découvertes. D'où viennent les découvertes? Les découvertes viennent du domaine de la foi, c'est-à-dire que
on découvre ce qui existe. Dans les découvertes, ça c'est très fort, les découvertes viennent du domaine de la foi. De la foi, oui. Donc les découvertes marchent de pair avec la foi. Oui. Donc ce que les scientifiques font, les chercheurs trouvent, c'est la foi qui oui. libère les choses que voilà. les scientifiques nous donnent. Oui, parce ouais. qu'on ne dit pas, quand on dit découverte, on découvre quelque chose qui existe. Ok. On ne découvre okay. pas quelque chose qui n'a pas existé. Donc on découvre quelque chose qui existe. Qui existe. Donc Dieu a existé. Oui. Et ce que nous découvrons, c'est ce que Dieu a déjà fait. A déjà fait. Quelque chose qui existe. Oui. Ça, c'est très fort. Oui, oui. Donc c'est ça. Donc on peut dire à ces scientifiques et à tous ces gens intelligents qui sont dans le monde, ce que vous découvrez, ça existait déjà. Oui, oui. Ça, c'est pourquoi je dis que les scientifiques sont des croyants, parce que les scientifiques savent que et quand ils découvrent quelque chose, c'est que ça existait quelque part déjà. Mmh. C'est-à-dire que c'est la prédisposition de Dieu qui a mis ça à la disposition. Mais à cause, peut-être vous pouvez expliquer ça très bien, du péché d'Adam et Ève, il a dit, vous trouverez tout par le sueur de votre front. Oui. Mais par son amour, il a mis quand même les choses et dit, bon, je vous donne l'intelligence pour aller les chercher. Alors quand vous découvrez, vous dites, ah, j'ai découvert. Mais vous avez découvert quoi? C'est que Dieu a déjà créé, qui est là, mais comme c'est un père, il a dit, bon, vous devez trouver ça vous-même, et puis c'est ça la découverte. C'est ce que la Bible dit en hébreu, c'est le verset que nous exploitons aujourd'hui. La foi, c'est une ferme assurance. Voilà. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Donc, il y a des choses auxquelles nous espérons, mais que nous ne voyons pas, mais qui existent. Qui existent. Et quelle est votre expérience? Parce que j'ai oublié de signaler à nos publics. Nous avons l'initiateur devant nous, l'initiateur de téléphone Okapi. Okapi, et ça aussi, c'est l'œuvre de la foi. Oui. Si je voulais expliquer, il y a découverte et invention. Yeah. Donc, Okapi, ça fait partie des inventions. Okay. Les inventions viennent des découvertes qui ont été faites. Les découvertes viennent de ce que Dieu a déjà préparé. Wow. Donc, c'est comme une chaîne. Dieu a préparé les découvertes. Les gens découvrent et créent les théories. Tu vois, quand on dit... les gens connaissent beaucoup plus Einstein, Albert Einstein. D'accord. Oui, ils connaissent Galilée, ils connaissent Newton. Et ce sont des gens qui ont découvert des théories. Alors, à partir de ces théories, les gens maintenant ont fait les inventions. Okay. Alors, parmi les inventions, il y a eu beaucoup de théories. C'est comme ça qu'on invente aussi les choses comme les téléphones, comme les ordinateurs. Oui. Alors, ce qu'on invente, c'est ce que... Et il n'existait, ça n'existait pas, mais quelqu'un a inventé, donc il a les brevets. Mais quelqu'un qui a fait une découverte, on ne lui donne pas les brevets parce que ça ne lui appartient pas. Okay. Par exemple, si tu marches sur la route et tu découvres que quelqu'un avait caché quelque chose là-bas, tu découvres ça, ce n'est pas ta propriété. Okay. C'est la propriété de, ce qui est, de celui qui a mis ça là-bas. Alors, c'est la propriété de Dieu, les découvertes appartiennent au Dieu. C'est pourquoi on ne donne pas les brevets d'invention à quelqu'un qui a découvert. Ok. Voilà. Ça, okay. c'est la différence. La différence. Mais quelqu'un qui a inventé, oui. et il a utilisé les théories de ceux qui ont découvert pour inventer quelque chose, alors là, on dit, bon, ça vous appartient. Mais tout ça, ça vient toujours de Dieu. Ça vient toujours. Oui. L'inventaire, c'est un homme que Dieu lui-même... a doté de l'intelligence. Il a donné de l'intelligence pour créer à partir des découvertes des autres. Ah, alors, ces découvertes des autres viennent de Dieu. Wow. C'est Dieu qui les a créées. Wow, wow. Voilà, bien-aimé. Je comprends que Dieu est au centre de toute vie, au centre de l'intelligence, au centre de toute connaissance. Donc, nous ne pouvons pas mettre de côté la foi et mettre de côté la science. Ça marche... De père, oui. Alors, ça, je vais donner par exemple un exemple. Parce que beaucoup de gens, ils disent, oh, voilà ce que la médecine a fait. Voilà les découvertes médicales.
Voilà les découvertes, par exemple, de telle ou telle chose, de nouvelles innovations. Et ça vient d'où? Si nous regardons, toutes les lois de la science, quand les gens les découvrent, ce sont des lois qui existaient déjà. Okay. Que, comme je dis, c'est le domaine de Dieu. Maintenant, quand les gens les découvrent, ils font ces découvertes. Je vais parler un peu en termes très simples. Vous prenez une fleur, vous mettez là-bas. Si vous ne mettez pas l'eau, ça va mourir. Si vous ne mettez pas l'eau, ça va mourir. Ça va mourir. Ça va mourir. Oh, oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la théorie de Dieu. Ça, c'est la Est-ce que vous suivez ça comme moi? Vous avez une fleur. Si vous ne mettez pas l'eau, cette fleur va mourir. Va mourir. Oui. Donc, pour que la fleur vive, il faut mettre de l'eau. Mettre de l'eau. Alors, beaucoup de gens disent, voilà, mais telle personne est prise, mais s'il n'était pas allé à l'hôpital, il n'allait pas avoir la guérison parce que ce n'est pas la prière qui l'a guéri. Et ça, je vais vous expliquer. J'ai parlé de fleurs. Et quand vous ne mettez pas de l'eau, alors pourquoi est-ce que c'est Dieu, quand vous ne mettez pas de l'eau, si les fleurs meurent, c'est la faute de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut continuer à en parler. Nous marchons et nous parlons. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas la faute de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, dans sa loi, dans sa disposition, il a dit, si vous avez les fleurs, il faut mettre de l'eau. Mais si vous ne mettez pas de l'eau, votre fleur va mourir, mais ce n'est pas de sa faute. Ok. Oui. Maintenant, si vous mettez de l'eau dans les fleurs vont épandre. Oui. Et c'est la même chose avec notre santé. Okay. Et Dieu dit que ne faites pas ça, ne faites pas ça. Yeah. Mais quand nous le faisons, nous avons violé la loi de Dieu. Ça, c'est alors fort. Là, maintenant, nous tombons malades, ce n'est pas la faute de Dieu. Okay. Et parce qu'il nous a dit de ne pas faire telle chose, nous avons fait, nous tombons malades. Là, alors, nous passons à quelque chose de très important dans la vie du professeur. Et professeur, j'ai lu dans vos données que quelque part vous étiez malade. Quelle a été votre expérience avec la foi et la maladie? Bon, l'expérience, c'est comme je suis en train de dire. Quand tu tombes malade, par exemple, comme moi, j'étais malade, j'ai souffert du cancer, comme beaucoup de gens aussi. Comme beaucoup de gens aussi peuvent être malades, souffrir du cancer. Donc, ou des autres maladies, maladies cardiaques et toutes sortes de maladies. Donc, le professeur, il est professeur, c'est un chercheur, mais il a souffert du cancer. Du cancer, pas n'importe quel cancer. C'est quel type de cancer? Vous regardez les caméras pour que... Bon, c'était... j'avais un cancer qu'on appelle GIST. C'est au niveau du ventre. OK. Mais ça s'est propagé un peu partout dans le corps. Dans le corps. Oui, c'est ça. Alors maintenant, bon, je suis là. Pourquoi? Parce que j'avais d'abord la foi, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mais vous priez. Parce qu'on vous a donné que combien de jours pour vivre? Au début, là, c'était 2 mois. Ah, c'était 2 mois. Oui. Et comment était la situation? Ceux qui suivent là, peut-être il y a quelqu'un aussi qui est avec nous. Ils peuvent se dire, non, moi, c'est le cancer, c'est la mort. Il voit seulement son information, c'est la mort. Mais vous, on vous a donné 2 mois, professeur. Mm-hmm. 2 mois à vivre, vous-même étant professeur. Et ce sont les professeurs. Et je signale que ta femme est médecin. Bon, elle n'est pas médecin, elle est docteur en biologie. Ah non, elle est docteur en biologie. Elle est chercheur en biologie. Chercheur en biologie. Oui. Donc, ce n'est pas n'importe quel couple. Donc, c'est un couple d'intellectuels. Alors, deux mois, le médecin, le professeur vous dit que vous allez vivre que 2 mois. Mais la place de la foi, dans cette information, c'était quoi? Oui, dans cette information, c'était que, tu vois, comme je viens de dire, Dieu, c'est lui-même qui est comme, quand beaucoup de gens prient, il dit que voilà, vous êtes le docteur des docteurs. Ce n'est pas un mot seulement comme ça en vain, tu vois? Parce que j'ai donné l'exemple de ce que nous avons brisé. La loi de Dieu, il a dit ne faites pas ça, ne faites pas, ne faites pas ça. Quand vous faites ce qui est contraire, vous tombez malade. Okay. Alors, quand vous tombez malade, maintenant, il a préparé les gens.
qu'on appelle les médecins. Okay. C'est lui qui leur a donné l'intelligence pour soigner. Il a donné l'intelligence aux gens pour faire les médicaments. Mmh. Il a donné on peut faire quelques pas, ouais. Il nous suit. Il a donné l'intelligence aussi aux gens pour faire beaucoup d'autres choses. Okay. Et c'est ça qui arrive que ça peut amener à la guérison. Okay. Bon, maintenant, si ces gens à qui il a donné le pouvoir, l'intelligence de guérir les malades, si ces gens n'arrivent pas, c'est comme avec les enfants, dans les salles de classe, vous demandez aux enfants, dites, bon, vous allez me faire telle chose. Et s'ils n'arrivent pas à faire, à la fin, ils disent, bon, nous, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vers vous. Okay. Alors, vous leur montrez de faire. Ouais. Alors, c'est pourquoi, quand les médecins ont fait leur travail, et vous revenez toujours sur la personne qui leur a donné l'intelligence. Ah, ok. Et vous demandez à cette personne, elle a dit, bon, voilà. Vous leur avez donné l'intelligence. Est-ce que vous pouvez les aider à résoudre mon problème? Tu vois? Alors, s'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes, ils disent, bon, vous-même, prenez les problèmes. Lui-même, il va prendre les problèmes. Et c'est ça que nous appelons la guérison. Et le miracle. Le miracle. C'est-à-dire que là où la médecine ne peut plus rien. Ah, je me rappelle d'une chanson que je chante. Yo zali lobi konangai. Yo zali esengo nangai. Yo zali ekimelo nangai. Yo suka ya bomoi nangai. Ngana kimako wapio. Ngana komina suka ye. Na se ya makolo na yo. Yo suka ya bomoi nangai. Voilà. Donc quelqu'un qui est arrivé au bout. Quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Donc médecin, la médecine ne peut plus rien. Là, comme les médecins, comme l'autre médecin, vous m'avez dit en coulisses quand on parlait, et qu'il y a l'un de tes amis qui a appelé même ta femme, qui a dit à ta femme, tu dois te préparer les assurances, préparer ceci, cela, parce que ton mari... C'est une amie, oui. C'est une amie, parce que c'était à la veille de ton opération. Mm-hmm. À la veille de l'opération qu'on dit non. Au lieu de consoler, mais lui a montré que je suis médecin, mais ce que je te dis, c'est vrai, ton mari ne va pas sortir de cette opération. Mmh. Et là, c'est cette attitude de foi. Et qu'est-ce que tu avais découvert ta femme? Qu'est-ce qu'elle faisait la nuit? Tu as senti quoi? C'était quoi? Oui, oui, parce que quand je suis revenu à la maison, parce que quand l'ami m'avait appelé, j'étais... dans mon bureau, j'arrangeais mes histoires parce que j'avais l'opération le lendemain. Okay. Alors bon, j'étais serein. Mm-hmm. Je suis allé seulement arranger mes histoires. Je dis bon, au cas où ça ne marche pas. Je partais. Donc on doit découvrir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient au travail. Okay. Voilà. Alors quand j'arrangeais, l'ami m'a appelé. Elle est, jusqu'à présent, elle est professeure à la faculté de médecine d'Harvard. Oui. Elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai appelé à la maison, j'ai parlé avec votre épouse, mais ce n'est pas possible, la façon dont elle m'a répondu. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, non, je lui ai dit de se préparer, et de sortir les assurances, et de sortir tout, de tous les papiers, ça doit être prêt parce qu'il ne voit pas comment je vais... survivre. Tu vas t'en sortir. Ouais. Moi, j'ai dit non, il ne fallait pas lui parler comme ça. Parce que chez nous, parce que ce n'est pas une Congolaise, c'est une Américaine. Okay. J'ai dit, chez nous, ça ne marche pas comme ça. Okay. Tu ne vas pas dire à quelqu'un comme tu lui as parlé, c'est pourquoi il a mal répondu. Et parce que chez nous, on espère toujours jusqu'à la fin. Okay. Et, alors, quand j'ai dit ça, et je suis rentré à la maison, j'ai trouvé dans notre sous-sol, ma femme était... elle avait mis une chaise et puis elle était agenouée et parlait avec... J'entends seulement, elle criait très fort. Et puis j'ai dit, c'est quoi ça? Je descends, je la vois, elle est en train de pleurer et puis elle est en train de dire, Seigneur, tu m'as déclaré la guerre. Ah, Seigneur, tu m'as déclaré la guerre. Oui. Donc là, c'est une femme de foi. Oui. La foi est science. Maintenant, il y a l'information de la science. Il y a la science qui est là, qui a dit que la mort est là. Donc ça, il ne va pas survivre. Maintenant, elle doit aller voir celui qui lui a donné cet homme. Seigneur, tu m'as déclaré la guerre, là j'aime. Là j'aime. Donc il y a des fois qu'on peut parler au Seigneur comme un père. Comme un père, comme notre papa. Donc, c'est normal. Parce que surtout quand tu te soumets, tu obéis,
Et tu l'aimes, tu le sers, tu as droit. Tu as droit. Et elle avait aussi droit. Mm-hmm. Oui. C'est ça. Ah. Alors, quand elle a parlé comme ça, je suis descendu, je l'ai pris. Mm. On est monté, on a dit bon, ça va aller. Et puis après, j'ai eu mon opération, tout s'est bien passé. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Comme vous me voyez. Ça fait combien d'années? Ça fait maintenant, ça fait 12 ans. On peut traverser de l'autre côté pour aller là-bas. Ça fait 12 ans maintenant. 12 ans. Ah. 12 ans. Waouh, 12 ans. Mm. Ça, c'est fort, 12 ans. Oui, c'est ça. Ah. Le Seigneur est bon. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça justement. Pourquoi on avait cette foi-là? Mm. On avait la foi parce qu'on sait que tout vient de Dieu. Mm. Tout vient de Dieu, malgré qu'on travaille dans le domaine on peut y aller directement. De la science. Oui. On sait que tout pouvoir, même les pouvoirs scientifiques viennent de Dieu parce qu'on a fait les rapports entre les découvertes. Mm. On dit tous les médicaments qui existent, toutes les techniques médicales mm. et toutes les connaissances médicales viennent de découvertes qui ont été faites dans le domaine de la biologie et dans le domaine de la chimie, okay. Même aussi de la physique qui a permis de fabriquer les instruments mm. qu'on utilise dans les hôpitaux. Okay. Alors on a dit, bon, comme les découvertes là, les inventions de ces médicaments, de ces équipements, viennent des découvertes qui ont été faites, et que les découvertes, c'est dans le domaine de Dieu, parce que c'est pourquoi on les appelle les découvertes, donc nous devons faire confiance à la source. Okay. La source, c'est d'où viennent les découvertes. Amen. Et cette source-là, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Voilà. Amen. Donc, c'est ça qui nous a donné cette foi-là, de dire que voilà, nous pouvons espérer à lui. Et oui. C'est lui-même qui peut décider de ce qui va se passer. Voilà un mot à retenir. Nous pouvons espérer en lui. Bien-aimé, si un professeur, un scientifique, c'est pas n'importe qui, lui-même peut vous dire que est-ce que là, il donne le cours de physique. Physique. Mm. Le cours de physique. C'est-à-dire c'est une personne qui a une tête peut avoir la foi en Dieu, peut croire en Dieu. Et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se manquent à cela, aux gens qui prient pour qu'ils disent non, c'est le fait de la famine. C'est le manquement, c'est la pauvreté. Les gens sont en train de passer le temps à l'église pour prier. Est-ce qu'il y a un monde, professeur, à ce genre de personnes? Parce que votre expérience de vie peut aussi ramener quelqu'un, peut aussi ramener une personne à comprendre que Dieu n'est pas pour la souffrance. Dieu n'est pas pour le manquement et on ne le cherche pas parce qu'on manque. Oui, mais c'est ce que je disais au début. Dieu, il a fait les formules. Il a dit, vous devez les respecter. Okay. Comme on fait les lois, si vous ne respectez pas les lois, mm. il y a des conséquences. Okay. Même dans la société, mm. il y a des règles. Si vous ne respectez pas les règles, mm. il y a des conséquences. Okay. Dieu a fait ses formules. Il a dit, par exemple, voilà comment vous allez vivre votre vie. Okay. Voilà comment vous allez vous conduire. Mm. Si vous conduisez mal, nous savons, il a fait le commandement. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir beaucoup de choses et de conseils qu'on donne aux gens. Mm. Si nous suivons cela, notre vie sera un peu différente. Mm. Maintenant, si nous violons ça, ce n'est pas Dieu. Okay. Maintenant, quand nous violons ça, nous allons à l'hôpital. Si ouais. ça ne marche pas à l'hôpital, nous devons savoir que tout cela, toutes ces choses-là qu'on trouve dans les hôpitaux, qu'on trouve dans les pharmacies, qu'on trouve partout, ça vient des découvertes. C'est ce que je suis en train un peu d'expliquer. Okay. Et ces découvertes viennent de Dieu. Donc, il faut revenir vers lui. Demander qu'il donne l'intelligence aux gens qui exploitent ces connaissances mm. Pour qu'ils puissent vous résoudre votre problème. Mm. Ok, bien-aimé, vous voyez ce que nous sommes en train de dire, la foi et la science. Mm. La foi et la science. Comment espérer et comment faire asseoir la foi quand la science te dit quelque chose? Est-ce que vous avez un mot? Bon, il n'y a pas de contradiction. Mmh. Entre la foi et la science. Non, non, il n'y a pas de contradiction parce que quelqu'un ne peut pas nous dire qu'il y a des théories scientifiques qui contredisent ce qui est écrit. J'aimerais que le monsieur qui nous suive là, oui, oui. Ce n'est pas Maman Micheline Chaban
le pasteur qui parle. Là, c'est l'homme de la science. C'est l'homme Il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science. Ouais. Et parce que, comme je viens d'expliquer, la science vient de Dieu. Mm. Et Dieu, c'est dans le domaine de la foi. Mm. Tu vois? Mm. Alors, il n'y a pas de contradiction possible. Parce que sinon, les théories scientifiques, quand on parle de découvertes, ça vient d'où? Tu vois? Si tu regardes même quand on parle de... moi, je suis de la formation, je suis physicien. Mm. Et quand on parle du début de l'univers, si tu regardes de la théorie, qu'on parle du début de l'univers, on dit, bon, il y avait une explosion, le Big Bang. Okay. Dans la théorie de la physique, il ne peut pas avoir une chose comme ça s'il n'y a pas une force. Okay. Tu vois? Oh, dans le domaine de la force. Il ne peut pas avoir une chose s'il n'y a pas une force. Il n'y a pas une force. Qui engendre la chose. Voilà. Okay. Alors, en science, on appelle ça force. Okay. Dans la religion, on appelle ça Dieu. Dieu. Donc, c'est le commencement de tout. Alors, tu vois que ça va de pair entre le début de l'univers, comme nous connaissons, comme nous le disons, et aussi le début de l'univers et le début de l'univers tel que c'est écrit dans la Bible. Mmh. C'est Dieu qui a créé. Okay. Et dans la science, il y avait cette force-là. La force. Et oui, qui a poussé à l'explosion initiale qui a créé l'univers. Donc c'est la même chose. C'est seulement la différence des expressions. Quelques conseils pour les scientifiques qui ne croient pas en Dieu. Quelques conseils. Bon, tu vois, le fait de croire en Dieu, c'est tout le monde. Okay. Ou bien ne pas croire. Ça peut être des scientifiques qui croient, ou les non-scientifiques qui croient, les scientifiques qui ne croient pas, et les non-scientifiques qui ne croient pas. C'est une question de disposition de comment la personne a évolué dans sa vie. Mm. Quelle est l'expérience, son expérience avec Dieu? Et moi, je dis toujours aux gens, compte tenu de mon expérience, Dieu existe et je l'ai raconté. Amen. Dieu existe et il a raconté. Et là, je ne vais pas seulement me limiter parce que vous allez me dire, non, maman Chaban, il parle de Dieu, de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu crois? Vous croyez en Jésus et il a payé un prix pour vous? Et qu'est-ce que vous pouvez parler dans la foi si ça? Bon, tu vois, si tu prends seulement la science, je ne parle pas ici de la science exacte, hein, parce que la science, c'est aussi l'anthropologie, par exemple. La science, c'est aussi l'anthropologie. La science, c'est aussi... c'est beaucoup de choses. Mm. Maintenant, si tu regardes les enseignements de Jésus, si tu regardes ce qu'il a fait, okay. Tu peux te dire, scientifiquement parlant, tu peux te dire, mais est-ce que cet homme a une puissance qui est... Aucune autre personne dans notre univers a eu. Tu vois? Ah, alors, donc, là, le mot univers revient encore. Parce que quand on parlait avec vous là, il y a quelqu'un qui est un scientifique et que vous avez posé la question. Mais votre Jésus, là, l'univers, il y a plusieurs univers. Mais comment on peut parler de lui qu'il est resté, il est arrivé seulement à notre univers ici? Oui, oui. Parce que c'est un ami, un collègue, c'est un astrophysicien. Quand je disais que je suis guéri grâce à Dieu, et puis il a dit, mais votre Jésus, il est venu seulement dans notre planète. Mais ouais. Alors dans l'univers, il peut y avoir même 5 milliards de planètes où on peut trouver les gens comme nous. Pourquoi il n'est pas allé dans ces planètes-là? Il est venu seulement dans notre planète. Oui. Alors ça c'est... Et moi, je lui ai dit, mais comment tu sais qu'il est venu seulement dans notre planète? Voilà. Parce que depuis qu'il est venu, et il est parti, donc physiquement... Avant qu'il vienne, il était... On ne sait pas où il était. Il était même, mais parce qu'il déclarait lui-même dans sa parole... Non, dans les planètes, oui. On ne sait pas dans quelle planète il était. Voilà. Alors, quand il a quitté chez nous, on ne sait pas où il est parti. Mm. Parce que lui-même, ce que je lui ai expliqué... peut-être il est allé, il part seulement dans les planètes où il y a les problèmes. parce que lui-même, il avait dit, si vous avez... Mais heureusement que la Bible nous dit que lui, les planètes où il est allé maintenant, c'est pour nous préparer une place. Parce qu'après ce monde, il y a un monde qui nous attend, les salis. Oui, c'est ce que lui, il dit. Ça, c'est maintenant le domaine de notre foi. De notre foi, oui. Voilà. Maintenant,
L'explication scientifique que je voulais lui donner, oui, c'était différent. Okay. Alors je dis, écoutez, il est parti. Depuis qu'il est parti, ça fait 2000 ans. Mmh. Et chez nous, il était pendant 33 ans. Depuis qu'il est parti, depuis 2000 ans, mmh, si tu fais 2000 divisé par 33, combien de planètes ça fait? Si mmh, il a vécu le même nombre d'années dans les autres planètes. Mmh. Et puis, il part seulement dans les planètes où il y a les problèmes. Parce que lui-même, il avait dit, si tu as 100 moutons, mmh, si tu perds un, tu dois le suivre. Oui. Tu laisses les autres, tu dois suivre celui qui est perdu. Mmh. Donc, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et ça convaincu mon collègue. Ah, je bénis Dieu parce que le collègue en question aujourd'hui, c'est lui qui marche avec la Bible. Voilà. Et il est confiant que la Bible et la parole de Dieu et la mission de Jésus n'est pas vaine. C'est ça. Et voilà, nous allons petit à petit profiter. Et nous voulons que le professeur puisse parler un peu parce qu'après sa maladie, il a vécu la guérison. Et le Seigneur lui a amené dans l'invase. Dans l'invention que vous avez, maintenant un produit, mm-hmm, un produit que vous avez... Ça, c'est toujours aussi le produit que nous faisons. Mm. C'est toujours aussi dans les domaines... Mais le Seigneur a permis que tu passes par la maladie. C'est pour te conduire à la révélation, mm-hmm, pour avoir ces médicaments, ces produits du cancer qui soigne aujourd'hui, mm-hmm, qui est déjà... ici aux États-Unis, mm-hmm, accepté, qui a été approuvé. Oui. Qui a été approuvé. Mm-hmm. Est-ce que nous pouvons avoir un mot là-dessus, oui, oui, pour ceux-là qui... Oui, oui, parce que quand on a cru que les découvertes viennent de Dieu, mm-hmm, alors maintenant, si on a confiance à Dieu, on peut facilement commencer aussi à inventer, c'est-à-dire utiliser ce qui vient de lui. Ce sont les découvertes que beaucoup d'autres personnes ont faites. On dit, bon, ça, c'est des œuvres de Dieu. Mm. J'ai confiance en ça. Alors, je les prends. Je vais maintenant les utiliser pour faire les découvertes, okay, les inventions. Mm. C'est comme ça on a amené les téléphones au Capi, les tablettes, les panneaux solaires. Mm. Et c'est la foi. C'est-à-dire qu'on a confiance en nous-mêmes. Okay. Alors, on a dit, bon, moi, on a souffert du cancer. Il y a des gens qui souffrent aussi. On peut aussi faire aussi les médicaments pour eux. Mm. On a fait les médicaments... donc, celui des cancers de la peau, c'est déjà approuvé. Okay. On a aussi les médicaments pour les cancers du cerveau. Les cancers de cancer du cerveau. Des seins. Cancer du sein. Oui, mm, les cancers de foie, des pancréas et puis des mm, prostates. Donc, on a ça. On a plusieurs lignes de cancers comme ça qu'on a développées. Et puis, c'est testé déjà dans beaucoup d'universités ici. J'ai des amis aussi qui s'intéressent beaucoup à ça et puis qui nous aident pour... Le financement pour les tests, les évaluations. Et vous pensez que dans le prochain avenir, ces médicaments seront dans les pharmacies et notre pays aussi, oui, le oui, Congo aussi et l'Afrique, oui, oui, parce va que en bénéficier. Celui des cancers de la peau a été approuvé. Maintenant, on a la dernière évaluation. Okay. Je pense que d'ici le mois de décembre, ça sera sur les marchés. Okay. Et puis les autres, on est encore dans la recherche clinique, des tests cliniques. Mm. Mm. Il y a un problème qui m'a tiqué. L'Afrique, nous avons une grande richesse. Vous savez qu'à l'époque, le professeur m'a dit une chose. À l'époque, nos mamans souffraient aussi des cancers parce que, vous voyez, au village, une femme qui a des seins, qui a eu des problèmes de seins. Mais je me rappelle, les mamans partaient même à la brousse prendre des feuilles comme ça, oui, des feuilles comme ça, poser sur le feu et mettre sur la foi. Et... le mal est parti, c'est parti. Oui, oui, parce que justement, mmh, c'est ça le problème que nous avons oublié. Mmh. Si nous retournons, quand nous disons que nous sommes riches, le Congo est un pays riche, okay, qui donne la richesse? C'est Dieu. C'est Dieu, oui. Il nous a donné toutes ces plantes, nous on les a pas plantées. Mmh. C'est lui qui nous a donné. Mais si nous avons foi à lui, nous allons regarder maintenant chacune de ces plantes. Plante. Qu'est-ce que ça peut faire? Ok. Ce n'est pas par hasard qu'il nous a donné. Ouais. Ça a une raison. Mm. Tu vois? Et quand vous voyez quelque chose, si vous avez confiance, vous avez la foi à la personne qui a mis ça là-bas, mm, et vous pouvez faire quelque chose avec ça. C'est okay. Pourquoi quand les scientifiques font les découvertes, parce qu'ils ont la foi, mm, qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, quelque chose qui est là-bas, on doit aller le chercher. Donc nous aussi, on doit faire ça.
C'est ça notre richesse en fait. Mm. Oui. Donc on doit combiner notre foi, okay, et la foi que nous avons, mm, et la foi aussi, maintenant nous devons regarder ça plus loin, mm, que cette foi, ce qui nous entoure, des fois nous louons Dieu avec tout ce qui nous entoure, mais qu'est-ce que nous faisons avec ça? Il faut amener notre foi plus loin, mm, être plus pratique, et comme ça nous allons reconnaître que oui, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ça. Les tondolo. Okay. Ce n'est pas. Il nous a donné les bilolo. Les bilolo. Ce n'est pas par hasard qu'il nous a donné le pondou. Donc il y a toujours quelque chose là-dedans. Les Congo bololo. Il y a toujours que. Voilà, oui, oui, oui. Voilà. Ah, les macasses, tout ça. Les macasses. Voilà. Ah, je me rappelle qu'un jour, je ne dormais pas. J'étais à la veillée, mais j'étais avec mon vieux papa. Mm-hmm. J'étais avec mon vieux papa à la veillée. Et là, je vois que papa à la veillée, jamais il ne somnole. Mm-hmm. Jamais il ne somnole, mais. Un jour, pendant que moi, le pasteur, j'ai somnolé, il a dit à quelqu'un, allez donner à votre pasteur ça. Je regarde comme ça, c'est du cassou. Les noix de... Mmh. On appelle ça chez nous, c'est les noix de cola. Oui, les noix de cola. Les noix de cola. Et je mange un morceau, et le sommeil est parti. Et aujourd'hui, on a la capacité de nous faire... Les médicaments ou les boissons énergiques. Mmh. Pour que... OK. Nous avons ce qu'il faut. Voilà. Nous avons ce qu'il faut. Mais oui, tu vois, quand tu donnes un enfant, oh non, 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 ça c'est pour les ancêtres. Oui. Ok, c'est quelque chose. La foi et la science. Oui. Nous avons la foi et la science est là, mais nous devons exercer aussi notre foi. Notre foi, c'est ça. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de très spécial. Et c'est une émission, c'est une innovation que j'ai découvert pour partager avec vous. Et j'ai pris le temps de... d'interroger les professeurs. Je me suis dit, non, aujourd'hui, je deviens journaliste pour parler de la foi et de la science. Bien-aimés, les scientifiques, Dieu au centre de tout, l'invention et les découvertes, il n'y a que lui le patron de tout. Il n'y a que lui le patron de tout. Voilà, un professeur d'université, le professeur Mbélé, c'est votre frère congolais qui donne cours ici, à l'université, regardez l'université ici. Tout ça, c'est l'université, c'est mmh, un quartier universitaire. Mmh. Nous sommes à Boston et tout ça. Et voilà, c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Je crois que toi, tu es malade. Crois. Psaume 103, verset 3 dit, il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies et qui pardonne les iniquités. Il y a quelque chose qu'il avait dit ici. Et c'est nous qui nous n'arrosons pas cette fleur que le Seigneur nous a donnée. Hein? Il pardonne, c'est-à-dire pour que la guérison soit installée, il faut que l'iniquité quitte. Voilà. Ce que nous faisons, c'est ce qui nous empêche de vivre la main de Dieu, la miséricorde de Dieu. Un mot de séparation, parce que ce n'est pas de la fin. La fin, ça sera quand Christ va revenir. Voilà. Un mot de séparation. Oui, ce que je voulais dire à la fin, ce que j'ai expliqué aussi au début, des fois, quelqu'un tombe malade. Il dit, mais pourquoi Dieu a laissé que je sois malade? Parce que moi, je prie. Et les gens disent que mais vous priez, mais pourquoi vous avez tous ces problèmes? Ce n'est pas que Dieu a laissé que vous ayez les problèmes. Ce n'est pas que Dieu a laissé que vous tombez malade. Et comme je dis, vous avez les fleurs. Dieu vous dit, mettez de l'eau pour que ça survive. Alors, si vous ne mettez pas de l'eau, les fleurs vont mourir. Maintenant, vous n'allez pas dire que voilà, Dieu a laissé mes fleurs mourir parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Alors, essayons d'écouter, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être à l'écoute des prédications, et comme ça, nous allons connaître ce que Dieu veut pour nous, et ça va nous aider à comprendre comment mettre de l'eau dans notre fleur pour que ça ne meure pas. Je te rappelle. Donc c'est ça, merci beaucoup. D'accord. Voilà, bien-aimés, nous devons arroser ce que nous avons, nous devons continuer à avoir la foi, et tu peux être malade, je ne sais pas cette émission, ça va se trouver où, mais crois à un Dieu qui guérit. Oui, l'information de la science est là, peut-être on a dit c'est la mort, on a dit c'est fini, mais il y a un Dieu auquel... Donc crois à ce Dieu-là et il est merveilleux. N'oubliez pas, nous sommes Congolais, nous sommes richement bénis. Il y a
Au Capi, il y a des téléphones au Capi, il y a des tablettes au Capi, il y a aussi des panneaux. Oui. Des panneaux solaires. Ordinateurs, tout ça. Il y a les ordinateurs au Capi. Donc, téléphone, il y a Banamboka. Invasion, il y a Banamboka. C'est pour nous. Et voilà, n'oubliez pas aussi que le médicament est là. Nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous contacter si vous voulez entrer en profondeur ou entrer en contact avec les professeurs. Il est là. Il est là pour vous orienter. Et si vous voulez aussi devenir participant à cette grande vision dans les nations, dans les villes, dans toutes les villes. Au Capi, ça y est dans combien de villes de notre pays? Oui, au Congo, ça y est dans toutes les grandes villes du pays, okay. Les anciens chefs-lieux de provinces. Mm. Et puis, bon, on est aussi maintenant en Afrique, au moins dans 32 pays d'Afrique maintenant. 32 pays d'Afrique déjà, 32 pays d'Afrique. Oui. Et dans toutes les grandes villes de notre pays. Bien-aimé, je ne vais pas citer d'autres sociétés téléphoniques, mais au Capi, c'est les nôtres. C'est les nôtres. Mm. Hein? Rends-moi riche pour que toi aussi tu deviens riche. Bénis-moi pour que tu sois aussi, tu deviens bénédiction. Oui. Bénissons oui, ce qui est à nous. Oui, par exemple, comme on parle de Capi, nous, Dieu nous a donné les minéraux. On doit louer Dieu pour ces minéraux. Okay. Mais on ne doit pas s'arrêter seulement à les louer. Il faut voir que pour les respecter, comme j'ai dit, c'est la source de tout. Okay. Il nous a donné. Maintenant, prenons ces minéraux, faisons de ça quelque chose. Alors, c'est ce que nous allons prendre nos minéraux. Mmh. Nous avons déjà acheté les terrains du côté de Bukavu là-bas. Okay. Et pour les transformer. Et puis, quand on fait nos téléphones, on va les faire maintenant avec nos propres minéraux. Avec nos propres minéraux. Ça, c'est pour respecter, donc montrer que nous avons foi à Dieu qui nous a donné ça. OK. Oui, parce que c'est une façon de lui dire merci. OK. Voilà. Merci à Dieu pour tous les bienfaits que tu as fait à notre pays. Et merci à vous, mes téléspectateurs. Bon, comprenez, hein? Comprenez, c'est une première. Foi et science, c'est arrivé comme ça. Nous avons la foi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt à un autre numéro de Foi et science. Nous croyons que Dieu est réel et l'impossible, c'est pas Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.